Bonjour à tous, voici le temps venu de l'ouverture de la deuxième box des petits piafs de Galar, Élector de Galar cette fois-ci, avec les boosters à l'intérieur et la carte promo. Donc si vous avez suivi la première ouverture, elle était assez légère. On va essayer de faire mieux sur celui-ci. Et il restera encore l'Articodin en troisième pour avoir les trois. Donc, Élector de Galar. Voilà. Et donc, il est ici en train de courir après d'autres piafs, des Dodrio. On voit les trois têtes ici. La carte est assez fun avec un bel effet de vitesse en fait. C'est sympa. Elle est jolie. Le code pour Bibi et les 4 boosters pour nous tous. Et les cartes qu'il y a à l'intérieur pour Bibi aussi. Premier sur 4. Voilà, ça s'ouvre comme d'habitude, comme on peut. Donc, si je trouve quelque chose d'intéressant à l'intérieur, je vous donne le code qui correspond. On va faire ça. On commence avec un notariat. Krixik sur sa planche. Galekid. Avec sa roue. Riolu. Étourmi. Et ses copains. Il n'est pas tout seul. Waouh! Un magnifique Chrysaphil radieux! Waouh! Je suis trop content! C'est le cinquième, peut-être sixième. Et je sais à quel point tout le monde est fan de ce Pokémon. Donc, pas de jaloux, hein, si quelqu'un le veut, ben, demandez-moi. Si vous êtes sur le coin de Rennes, eh ben, je vous l'offre. Dites-moi en commentaire et je vous l'offre. Et Luxray, qui fait dodo à côté de sa fleur. L'énergie. Et les dresseurs qui vont avec le Scalproix, dont les True Brothers. Alors comment dire, est-ce que ça c'est un hit? On va dire que oui, c'est quand même un radieux. Voici le code promis. Code promis, code dû. Deuxième booster. J'ai l'impression qu'il y a plein de place dedans, comme s'il était presque vide. Qu'ils n'ont pas oublié une carte. Donc, Rocabo, Sac de nœuds, Balbuto, Miaouss de Galar, récupération d'énergie et en énorme spoil, comme très souvent, le Voltan de Hisui qui fait dodo au pied de l'arbre. Donc ça, c'est un beau hit. Ça fait partie de la série hein, des 7, je crois. Et là, on est sur la première, si je ne me trompe pas. Et derrière, alors on va peut-être enfin avoir le Zamasenta. Rayquaza, V. Déjà eu, mais très très beau quand même aussi. Et double hit. Double hit. Avec le reste des cartes. Donc là, ça mérite clairement pour vous ce code. Voilà, cadeau. 3 hits de booster. Ah, on va être mieux que sur la première ouverture. C'est déjà très bien parti.
m'intéresse. Là, ce que je vais rechercher beaucoup, les alternatives, donc les galériennes galeries, mais en plus les plus rares en fait, hein, les argentées, les dites alternatives. Manglouton, Cérébou et Tourmi. On a deux dresseurs de suite, dont un échange d'énergie et un échange. Celui-ci en standard, et ça, c'est notre reverse. Et notre coco avec son grand pied. En rare. C'est moins la folie pour ce booster. On va pas trop compter sur celui-ci. Le dernier. Donc ça, du coup, c'est pour moi. Dernier booster, quatrième. Emolga, Yanma, Scalpion, Krixik. Donc on passe les communes assez rapidement, on les connaît toutes. Le Pijako, un Watapic. Watapic en peu commune reverse que je n'avais pas du tout en reverse. Ils sont très très durs à avoir. Il y a beaucoup beaucoup plus de galériennes galeries que de reverse. C'est un monde, on n'arrive pas à voir les plus simples, on arrive à voir les plus rares. Et derrière, le Tauros qui nous charge avec l'énergie et la paire de Celeroc et Solaroc. Bon, eh bien, bilan mitigé. Mitigé, mitigé. On a la première Galarian Gallery de la série, la numéro 1, Voltorb. Le Rayquaza qui fait plaisir, hein, même si je l'ai, c'est celui-ci quand même particulièrement bien réussi. Le Youpi Chrysapile radieux. Ça, on dirait des pauvres autobus perdus dans la forêt, abandonnés. Il y en a dans les arbres. C'est entre une pile et un bus. Bleh. Et donc le Luxray et le Noix de coco. Avec les deux Reavers, dont, qui m'intéresse quand même beaucoup, la Watapic. Bon, bien, merci de m'avoir suivi pour cette deuxième vidéo des trois box et à bientôt pour la troisième et dernière, l'Articodin de Galar et probablement, je pense, la plus appréciée de tous. Ça va se jouer entre celle-ci et la Sulfura. Vous remontre là quand même l'Elector qui était avec dans cette box. Voilà, on va cacher la petite pile. À bientôt les amis.